Le Burundi, présent à la 75e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le pays lancé sur la voie du retour à la démocratie et à la paix, tente de sortir de son isolement qui lui a valu d'organiser des élections sur fonds propres en 2020. Toutes ces élections ont été justes, libres, démocratiques, transparentes, apaisées et entièrement financées par des moyens propres du contribuable burundais. Le financement complet du processus électoral par des sources nationales témoigne de la volonté du peuple burundais de s'approprier définitivement du système de gouvernance politique, administrative et économique de notre pays. Le Burundi souhaite atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Dans cette perspective, le président Évariste Ndayishimiye veut améliorer les relations multilatérales de son pays au niveau international. C'est à ce titre que le Burundi reste ouvert aux pays et aux organisations internationales qui souhaitent davantage tisser des relations de coopération mutuellement avantageuses et respectueuses. Pour parvenir à son but, le Burundi va expérimenter un instrument inédit dans le pays, la transparence. Le Burundi, à l'instar d'autres pays engagés dans le développement durable, a pris toutes les dispositions de produire régulièrement un rapport de suivi de la mise en œuvre des ODD et du plan national de développement. Pour partager le chemin déjà parcouru dans la mise en œuvre des ODD, les succès, les défis actuels et émergents, les leçons apprises, le Burundi s'est soumis à l'exercice des examens nationaux volontaires de 2020. Le chef d'État burundais a également appelé les États membres de l'ONU à se mobiliser face aux nouveaux défis humains, sociaux et politiques auxquels l'organisation est désormais confrontée. Le monde que nous vivons aujourd'hui a plus que jamais besoin d'une approche consensuelle pour faire face à des défis majeurs comme le changement climatique, le terrorisme, la gestion pacifique des conflits, la réforme du Conseil de sécurité, la question des migrations ainsi que la gestion des crises sanitaires. Le président Ndayishimiye a présenté les actions qui, selon lui, vont favoriser l'atteinte des objectifs de développement durable. Il milite pour plus d'engagement, plus d'ambition, plus d'action et plus de moyens.